je vais faire paraître, figurez-vous, au mois de février, je serai heureux d'en parler avec vous, mes mémoires, où justement, je raconte que moi, jeune professeur à la Sorbonne, qui je voyais à l'époque, hein, Lévi-Strauss, Foucault, Deleuze, etc., et que là, maintenant, j'en trouve plus trop de cet acabit. Non, peu importe. Mais vous voyez, ce qui me paraît important, c'est que dans ces périodes-là intermédiaires, il y a ce décalage entre la société officielle, hein, les élites, qui restent sur ces valeurs modernes, individualisme, progressisme, rationalisme, et puis, ben voilà, le peuple, et de mon point de vue en particulier, les jeunes générations, puisque j'ai beaucoup travaillé dans mon centre sur les changements de valeurs chez ces jeunes générations, qui ne sont pas simplement, je dirais, la société de demain, mais qui sont déjà la société d'aujourd'hui. Et ces jeunes générations, ou disons le peuple, si vous voulez, ben ne se reconnaît plus dans ces valeurs modernes.